Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, bien-être, je vais zoomer au niveau de la santé et du bien-être d'une personne. Je vais partager tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, c'est du général. Je prends le précieux conseil, message, encouragement que vous avez à recevoir aujourd'hui. Donnez et il vous sera donné. Donc là, on vous recommande de donner et il vous sera donné. Donc aujourd'hui, de donner et il vous sera donné. Ou alors, vous avez déjà donné, il va y avoir quelque chose qui va vous revenir à vous. C'est possible. Alors, au niveau santé, bien-être, alors, je vais débuter. Alors, message écrit comme toujours, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Allez, c'est parti. Je zoome au niveau de la santé et du bien-être d'une personne, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Alors, pour une personne, je peux avoir une fin de stress. Et aussi d'angoisse. Vous pouvez avoir du stress, des angoisses. Je peux avoir une fin de stress, d'angoisse. C'est la fin, ça va aller très vite. Là, vous pouvez être très perturbé par du stress, des angoisses. Là, vous allez... démarrer, débuter une toute nouvelle vie, renaissance, une renaissance à l'intérieur de vous-même en fait, sans stress et sans angoisse. Donc vous allez voir la vie sans stress, sans angoisse. Bien sûr, la joie de vivre va remonter et vous allez vous sentir hyper bien, hyper épanoui. Ensuite, pour nos amis, les animaux. Alors, je peux avoir aujourd'hui, c'est du général, faites bien preuve de discernement. Je peux avoir un animal qui va vite reprendre des forces. Pour moi, là, je peux avoir un animal qui va vite reprendre des forces. Va vite reprendre des forces et ne va plus avoir de séquelles. Je peux en avoir un animal qui peut avoir séquelles suite peut-être d'un AVC, c'est possible. Je peux avoir un animal qui va sortir des séquelles suite à un AVC. Là, actuellement, il peut être beaucoup plus lent, avoir un ou plusieurs séquelles. Il peut être beaucoup plus lent. En tout cas, il va récupérer aussi en dynamisme. Hein. Il va, au niveau de sa lenteur, il va récupérer un rythme normal. Ça peut être dans sa marche. Voilà. Donc il va sortir des séquelles qu'il peut avoir suite d'un AVC. Un ou plusieurs, voilà. Actuellement, il peut être beaucoup plus lent. Il peut avoir des séquelles peut-être suite à un AVC dans sa marche, dans sa lenteur aussi. Et en fait, tout ça, ça va, il va en sortir. Il va sortir de toutes ces séquelles et tout va se rééquilibrer. Il va, pour moi, remarcher sans lenteur ni séquelles. Voilà, peu importe quel qu'il soit. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt, très belle journée!